tell him something. Happy birthday to you. Happy birthday. Talking to fam. Isabel. Happy birthday to you. So guys, I didn't even take a shower. So I'm giving you an answer. If you are in the morning 7 or like 8 and I'm wearing this, that's mean I didn't take my shower. Well, this is in Africa, because in Canada, if I'm playing this, it's because of the cold. So, yeah. See you soon. Je vais ouvrir la porte, non? Marion, je vois ta porte, ça dit quelque chose dans le vlog. Ah non, aujourd'hui, je ne suis pas dans ton vlog. Oh, tu n'es pas dans le vlog, pourquoi? On part. Je me demande pas de la police. T'as bien filmé. Altercation. Ouais. So guys. Hi guys, it's me again. Yeah. So right now, this is Shoprite. We came because she needed datas and stuff. But like, that's crazy. They don't have datas. What is the call? What? They tell you that they're going out. They said they're gonna send the call. Okay, so took his seatbelt off, so I knew he was leaving. But he took the holy crap! You took the keys. Yes. Okay, we have to. I think she went to get ice cream. Ah, yeah, she wanted. So this is crazy right now. We came with some friends and my brother. Well, a friend and my brother, and they said they're gonna stay in the car. Now they're gone. No. We haven't been telling us. And they took the key. Well, it's normal, but like. So, I don't know where they are. You see? I don't know. You should know how they look like. They're your people. But like, I don't know where they are right now. So guys, I was saying they don't have data on there. And they don't have data any, like everywhere. That's crazy. It's, whoa, whoa. So, I'm coming back to you later. Hey guys, you know who I am, right? Now you don't. My name is Jean. It's Jean. It's Jean-Luc. And you know what's popping right now? Period. Say period. Say period. Nah, you say that. No, you say it. I hope you guys did buy something for us too. You guys are tripping right now. Yo. Oh my. Bon les gars, là je vais parler en français. Et en lingala pour boyoka. A friselle le bazana. Bazana initété. Pe crédit peut exater. Partout na kin exater. Est-ce que c'est normal? Imagine seulement un jour on se réveille comme ça, vous dire comme te dit crédit exater. C'est pas normal. On peut pas accepter. Non. Ou bien vous fermez les stores. Et vous aussi la même connu. C'est pas possible. Yes. Even if they're telling me that you can't, they have to show me why I can't, because they didn't put it anywhere. Alright, so guys, you're actually on the museum with my gang, my guys. And jamais visité, non. Tu dis quoi? Non, c'est déjà venu. C'est notre première fois, nous tous, non, je pense. Visiter, en tout cas, il y a
Guys, I wanted to let you know that for Congolese, on this place, if you want to visit, you have to pay $1.5. And if you're not Congolese, then you have to pay $10. And yeah, so they actually ask for IDs. And we obviously. So they asked a lot for IDs, but they didn't ask for all of us. I just gave them my ID and that was it. It's nice, man. It's nice. Look at this. Oh, we can actually see that. Like, there we go. Guys, DNS TV. DNS TV, you know what's going on, baby. That's what's up. So, guys, this is weird actually. I didn't know this guy was here. And he's also a YouTuber, man. That's wild. That's crazy. That's crazy. Like, YouTubers and YouTubers and YouTubers. That's crazy, man. So, let's keep going. La préhistoire nous concerne tous parce qu'on est humain, on est africain sur la terre. Vous voyez? Alors là, il y a ces pierres préhistoriques qui sont trouvées. La pierre taillée, la pierre polie, les bois. Polir une pierre. Tailler, parce qu'il y a des pierres. Ça, ce sont les pierres taillées. Biface, qui est utilisé comme lance. Il y a des microlithes. Les microlithes qui servaient, c'était comme des lames de rasoir que l'homme préhistorique utilisait. Vous avez vu? Voilà. Et il y avait des pierres pour allumer le feu. Et en ce moment, en cette période, l'homme était encore dans les champs. L'homme préhistorique. C'est où la monnaie des champs? Voilà. Ça ici? Ah, les croisettes. Yeah. Et ça avait quelle valeur en fait? On ne sait pas mal. Okay. Il n'y avait pas de manque à l'école. Okay. Voilà. So c'est très important de comprendre ces dangers. Vous savez, ici, c'est le musée. Lorsque généralement des gens arrivent, ils sont éblouis par la lumière, tout ça, les photos. Les empires. Vous voyez, les royaumes. Royaume Congo, royaume. Vous êtes congolais, n'est-ce pas? Ouais. C'est lui qui n'est pas congolais qui sort. Parce que il y a les vestiges ici, il y a les autres cultures. Et puis, on en parlait. Dites-moi, il y a le royaume Congo, le royaume... Luba, Kuba, tout ça. Regarde. Ça va une valeur historique. Le monde en gros, qui est là. C'est elle, wesh. Si, c'est elle. C'est elle, regarde. Voilà, prends un peu. Si, si. Voilà. C'est vrai. Les masques qui parlaient, tout ça. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de livre. Ils avaient besoin des objets, des masques, tout ça, pour enseigner, pour faire passer un message. Donc, les masques parlaient. Non, je ne dis pas qu'il faisait ça. Non, il faisait des messages, quoi. Regarde, tu es bien habillé, ton look parle. Ok. Tu vois, qu'est-ce que tu sous-entends? Ok, un message. Yeah, ok. Absolument. Là aussi, ça identifiait la beauté de la femme, en fait. Tu vois? C'était ça, en fait. La beauté de la femme. Donc, ici, on dit même lié au rite de circoncision. Ces masques incarnent la première mère mythique ou la beauté de la jeune fille. Il faut alléger à la position prééminente de la femme dans le système matrimonial. Qui dit que la femme n'avait pas d'importance dans la civilisation? La cause. La cause, la femme. La femme, c'est pas à la cuisine. Vous allez voir. Nos ancêtres vivaient bien en Inde.
Thanks. Il a subi la pression des journalistes sur tout ce qu'il a fait au Congolais. Il cède le Congo à la Belgique en 1920. Il dit, hey, ça devient sale, le dossier devient compliqué. Il cède à la Belgique. En 1908, hey, c'est là où le pays devient Congo-Belge. C'est là où vous avez vu les, vous voyez les premières écoles, vous voyez tout ce qui est suivi, les couvents, tout ça, machin, tout. Beaucoup de noirs sont initiés au clergé, voilà. Ouais. Et là, vous avez des noms comme ça. Ça, c'était la monnaie de l'époque. Nombas, si c'est Don Basile. C'est pas Nombas. C'est Basile. Don Simão, c'est Don Simão en portugais. Ok. Don Alvaro Moluvoano. Vous allez voir même dans cette image comment est-ce qu'il faisait la chasse. Vous allez voir, ils vont capturer un okapi, ils vont capturer un léopard, un hippopotame, vous allez voir. Voilà, ça c'est un crocodile qu'ils ont capturé. Voilà. Là, ils sont en train d'étendre un piège. Pour le crocodile? Non, pour l'okapi dans la forêt. Vous voyez? C'est pour ça quand tu arrives dans un village, tu as tes citadins. Non, les elfes, fais attention, tu vas entrer dans un piège alors. Voilà, ils l'ont attrapé, vous avez vu. Il est entré. Et du coup, ils l'ont récupéré. Ça, c'est des pygmées. Voilà. Et ce qui me plaît, ce qui me plaît dans cette vitrine, c'est l'arbalète. L'arbalète, on l'a souvent vu dans les films de chevaliers. Chevalier, au-dessus, là, tu vois, de la tour, avec une arbalète, pour tirer. Oh, les Ngombe fabriquaient déjà de l'arbalète. Extraordinaire. Vous avez la pêche. Quelqu'un peut prendre aussi cette architecture-là et le faire devenir une villa. Tu vois, en Afrique du Sud, moi, j'ai vu des... Entre Nigran et Pretoria, j'ai vu une maison très belle. Avec tes boules, ça va être encore le whisky. Avec tes boules, tu prends ton whisky. Ça, c'est un jeu. Des comme ça, on fait rien. Je sais pas encore comment on dit. J'ai même envie. Mouringo, c'est Mouringo, comme ça là. Mangoura. Salut. Mangoura. De l'eau. Qui sort d'un réfrigérateur. C'est un carbone froid. Oui. Attends, vous avez dit quoi? Je n'ai pas compris. C'est des réfrigérateurs. C'est un carbone froid. Non, si j'ai mis de l'eau là, ça. Voilà, toi, attends seulement. Ici, il y a la clim. Tu vas pouvoir voir, non? Si il y a la clim, tu vas voir. Gars, dans le village, il n'y a pas de clim d'air. So, we actually said this thing for put water in. It's gonna work like a freezer. Après, tu vas prendre, tu vas voir. Toi? Oh, wow. Nous en sommes côté de génie. Venez voir, venez voir. Mais c'est fait en quelle matière pour... Ma grand-mère, elle provenait du village un jour. Elle est venue avec des bananes qui sont restées chaudes dedans. Ça servait de thermos. Ça, même les thermos, ça ressemble à ça. Yeah, voilà. Ça ressemble. Papa, ils se sont inspirés de nous. Ça, c'est depuis quelle époque là? Depuis quand? Depuis... Non, jusque là, ils l'utilisent. Non, ça a commencé quand? Non, non, mais c'est depuis, on ne sait pas, on ne sait pas le dire. Parce que, ça fait combien? 130 000. Depuis que là, wow. Ouais. Ouais. Mais on était des après génies en fait. Après avoir mangé, complètement, on se repose ce soir. Voilà, ici, ce sont des objets de repos. Il y a d'autres, même du fumes. Voilà, pour digérer, je ne comprends pas le concept, il digère avec la fumée. Vous voulez le prendre de l'eau, vous voyez? Et je vous présente l'ancêtre de la chicha. La pipa Omutompo qui est là. Qui est l'ancêtre de la chicha. Ouais. Mutompo. Donc la chicha, c'est pas maintenant que ça vient, ça vient. Ah non, hein? Ok. Ce que vous prenez là, c'est la chicha arabe. Ma grand-mère, nous on n'avait rien, on savait tout faire, mais vous avez tout, vous ne savez rien faire. Et nous l'avons mis sur un bateau moderne. Et ce bateau moderne, enseigne quoi? J'ai un enfant qui m'a voulu faire ce qu'on a. Un, rester ensemble. Deux, respirer de nos ancêtres. Trois, organiser deux. Quatre, avancer.
Vous avez vu? C'est un message simple. Aujourd'hui, je suis content que les filles, la plupart, celui qu'on appelle le devin, le voyant du village, il y a le Nganga Mbombo. Le Nganga Buka, qu'on appelait les guérisseurs. Il y a le Nganga Mbombo, qu'on appelait le voyant. Et il y a les Nganga Kisi, les féticheurs. Je le répète, Nganga Buka, le médecin, Nganga Mbombo, qui est comme le voyant, et les Nganga Kisi. Vous allez voir dans cette vidéo, ça c'est un Nganga Buka. Le Nganga qui donne quelque chose à la maman pour que la maman mange, afin que son fils qui est malade puisse être aidé par quoi? Par le sein. Vous voyez? Là, vous avez l'Inganga Mbombo, le divin. Voilà, oracle, tout ça. C'est un Inganga Mbombo. Il prédit. C'est un voyant. Vous voyez? Là, nous avons vu le Inganga Buka. Et après, vous allez voir le Inganga Kisi maintenant. Ça, c'est il est en train de prédire. Et voilà. Et ça, c'est un Nganga Buka, vous voyez. C'est l'enfant qui est malade. Mais regardez, qu'est-ce que fait? Donne à la maman. Et la maman qui va manger, et l'enfant qui va têter et guérir. Les gens ont perdu, n'est-ce pas? Mais à l'époque, l'église n'est pas venue pour ça. L'église est venue pour arracher les terres au nom de la religion. Vous voyez? Au nom de la foi. Ils ont utilisé des stratégies. Prenons le cas de cette crucifix que nous sommes en train de voir. Avancez, vous allez remarquer quelque chose de particulier. Il y a un crucifix. Sur ce crucifix, c'est un homme ou c'est une femme? Vous avez vu? C'est la stratégie qu'ils ont utilisée pour pousser les gens à croire à Christ. Parce que dans certains villages, c'était difficile. C'est vraiment difficile d'évangéliser. Alors, ils devaient mettre la femme à la place d'un homme parce qu'il y avait certaines croyances qui croyaient à la femme. Vous voyez? Donc ils ont utilisé des moyens, des subterfuges pour entrer et puis récupérer des terres. Okay. Merci beaucoup, hein. So guys, we actually finished visiting the museum and stuff. It's a nice experience and crazy because we actually made some friends. Well, she had her friends coming and other YouTubers. That was crazy. We know each other and we didn't plan this together. But that was crazy, man. And hope you like this video. Well, my camera is. So I was saying, it was good, crazy, nice. And hope you like this one. My name is Jean-Luc Serofoli. Jean-Luc Serofoli for English speakers. Thank you for watching and see you for the next one. Please comment, subscribe, tell me what you think about the vlog, tell me what you want to see for the next one. And yeah, man. So thanks and see you soon. If you want to record the food, you can go to, like, feel free to do whatever you want to do. Happy birthday to you.
Happy birthday to you, Salomon. Allez, on y va. 1, 2, 3. Joyeux année. Anyway. Okay. On y va. Happy birthday to you, Salomon. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Hey guys, well, let me clean this first of all. So guys, I'm actually in this place. If you watch my vlogs perfectly and you don't miss anything, we're on this place maybe, I don't remember, 4 months ago, and now we are coming back to buy something for my sister. And yeah, they actually, everything is beauty. I don't have to miss that place. It's closed. Oh. So guys, actually inside, as you can see, this is all for kids, like for little babies and until 7 years old, I believe. You actually have everything on here. If you're from, I don't know, Canada, you come to live in Congo, then you can come to this place. You will find everything, I guess. When I say everything, it's everything. So yeah. Tu dis quoi? Tu parles, c'est ce qu'on fait. C'est quoi qu'on a fait? Tu parles? J'ai dit non. Tu veux, bro? You can introduce yourself, man. Everybody know me. Everybody don't know you. This is a different vlog. Everybody know me. Oh, my bad, guys. So we just went to that place. I don't even know the name. I will check out and then put in the vlog. So right now I wanted to buy a charger, a cable, but like it was $90. It was $90, and now I'm just going to Kid Market and see if I can actually find a cable, because $90 is a lot, man. $90 is like $110 in Canadian dollar. That's a lot, man. So yeah, I'm here with Mr. Solomon chilling downtown.
we actually have to go to the bank to pick up his car. But like, we haven't gonna do that today because we didn't schedule that, so it wasn't the program. So we're gonna do it on Monday. We actually started it today, and January 9, I think. I don't know. So see you soon. So guys, this is Kid Mark. Oh, Kid Marché. I thought it was Kid Market. Kid Marché, and we're gonna see if this is. It's okay. We're gonna see if we can find the cable right there. If I told me that we can find a cable inside at a cheaper price. So let's go and see. So guys, I finally buy my cable. Guess what? It was 7,000 Congolese franc. That's equal to $4. No, 3.5 bucks. And the other one was $90. You see the difference? Crazy. Solomon, you got something to say? The other one was $25. There was one back on here. This message was from school. This week, learned an important update. Anyway, oh, guys, so right now I'm about to change my haircut because I'm tired with this thing. And yeah, I'm about to change it. See you in 20 minutes. No, 3 hours or 4 hours. Hey, hello, everybody. Welcome back. So, as you can see, they finished my new stuff. Well, I actually did it because I don't go out anymore and I just don't want to keep them like that and work on them every single day because I'm lazy. So that's why I'm doing this, so I can, you know what I'm talking about. So we're gonna have to do something crazy soon, but I don't know what. I'm still looking. And yeah, guys, so for you guys who don't follow me on Instagram or Snapchat, come follow me on Snapchat and Instagram so you can actually participate, asking questions and giving ideas about what we can do for the next one, next videos and stuff. You know, it's gonna be fine. And yeah, what a game. If you don't subscribe to this channel, man, do okay. All right, so see you soon and bye.